Là, on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Comment se bug sur GTA 5 Online facilement et rapidement. Donc, vous allez commander, vous allez commencer par commander votre du codef. Elle se trouve sur le site Warstock. Elle est gratuite, donc elle est accessible à tous. Donc, on voit bien qu'elle est gratuite. Vous allez tout simplement l'acheter et la prendre, la mettre dans votre arène. Donc, les gars, c'est soit premier sous-sol, soit au niveau de l'atelier, ou soit le deuxième sous-sol. Moi spécialement j'avais pris le deuxième sous-sol, donc je n'ai pas acheté une deuxième fois. Ensuite vous allez simplement commander votre du codef, les gars. Souvenez-vous bien les gars, si c'est au premier sous-sol, au niveau de l'atelier, ou au premier sous-sol. Donc moi je l'avais pris au deuxième sous-sol, donc je commande là du codef. Voilà, le mécano il va bientôt me livrer. Une fois que c'est bon les gars, on va tout simplement rentrer dans l'atelier auto. Une fois les gars à l'intérieur, les gars, la manip elle va être facile. Il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste bien comprendre la vidéo. Donc les gars, vous allez rentrer dans du codef. Vous allez rentrer dans l'atelier, dans le salon LS. Juste à gauche ici, voilà. On rentre, voilà, c'est simple. Donc on a la petite animation les gars. C'est normal. Donc, là normalement ça vous fait sortir tout seul du véhicule. C'est normal. C'est normal. Vous allez re-rentrer et vous allez mettre carré et croix. Donc, je vais vous montrer ça à la fin du chargement. Donc, les gars, à ce temps-là, n'hésitez pas les gars à vous abonner. Donc les gars, là ça me sort du véhicule. Je re-rentre. Je mets carré et croix. Ensuite je mets entrer seul. Voilà la petite animation. Ensuite les gars, arrive à l'intérieur les gars. On va tout simplement appeler soit Gérald, soit Simone, ou soit Ron. Je sais plus si Ron il fait des activités. Bref, n'appelez pas Ron si vous n'êtes pas sûr. Moi je fais seulement les gars, j'appelle tout le temps Gérald ou Simone. Donc là je vais appeler Simone. Parce que c'est le plus rapide. C'est le plus rapide à prendre. Voilà, on peut appeler Gérald si on le souhaite. Là, je vais appeler Gérald. Une fois que c'est bon les gars, on va tout simplement mettre demande d'activité. On met directement croix. Les gars, le temps là, vous pouvez vous amuser, le temps qui vous livre tout simplement l'activité. Ensuite les gars, il va bientôt vous la ramener. Les gars, là vous allez supprimer toutes les activités que vous n'avez pas besoin. Là vous allez mettre l'activité en grand. Et quand vous allez monter sur la rampe les gars, le temps que ça vous fait quitter, vous allez lancer tout simplement l'activité. Donc pour voir si ça a bien marché les gars, vous allez voir un petit fond qui clignote. Si le fond clignote les gars, c'est que la première étape elle a bien fonctionné. Si ça n'a pas marché les gars, vous pouvez recommencer. Là il n'y a pas de problème sur ça. Les gars, là vous pouvez voir aussi les gars si ça a bien fonctionné. Si vous êtes sûr les gars, pour être sûr, vous ne verrez plus la map en bas à gauche. Ça va être un petit peu chiant, mais c'est pas grave. Donc, on ne voit plus la map. Vous voyez bien. Les gars, là, on peut voir la map quand on clique sur option. Mais on ne voit pas la map en bas à gauche. Donc, les gars, on cherche tout simplement le véhicule. Moi, le véhicule, il est juste là. Donc, les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je suis souvent en live pour donner des véhicules. Donc normalement il doit être là. Ah mince, il est derrière. Ouais. Donc les gars, vous voyez les gars, c'est dommage qu'on voit pas la map. Mais pas grave. Vas-y wesh. Donc on descend, on retourne au véhicule. Donc, les gars, là faudra faire attention à quelque chose. Faut pas mettre carré et rond pour quitter. Là on va quitter l'atelier auto. LS, l'atelier LS. Là faut mettre juste rond les gars. Une fois que vous êtes rentré, vous mettez rond. Et non, si ça a bien marché, ça vous fait quitter. Les gars, ça va être super simple maintenant. Le seul problème c'est qu'on voit pas la map en bas à gauche. Vous voyez bien les gars, on voit pas la map. Les gars, là vous allez aller retourner à votre arène. Donc une fois que vous êtes à votre arène les gars, vous allez là, je vais vous montrer les gars tout en vidéo. Vous allez à l'arène, moi force plus long de mettre la map. Le
passer juste à gauche. Donc les gars, une fois que vous êtes arrivé là-bas, il faudra faire attention à un truc. C'est super simple, hein. Bon, admettons vous avez commandé votre du codef au premier sous-sol, vous allez rentrer dans votre premier sous-sol. Si vous l'avez pris au deuxième sous-sol, vous allez rentrer dans le deuxième sous-sol. Donc là, bam, je rentre. Voilà, et deuxième sous-sol. Voilà. L'écran est un petit peu bizarre. Je mets triangle dans l'écran noir. Je mets triangle. Voilà. Une fois que c'est bon, l'équipe, vous ne verrez plus la map. Vous ne pouvez plus sortir d'armes. Et vous ne pouvez tout simplement plus mettre. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous pouvez juste mettre des coups de poing. Donc, normalement, les gars, le véhicule il sort. Il est parti. Là, on l'a pas vu partir. Mais c'est comme si c'était un PNJ. La Ducodef elle part. Ensuite les gars, vous allez demander un RC Manchito. Si aussi vous n'avez pas le RC Manchito, c'est pas grave les gars, vous demandez votre juste à votre collègue ou ami qui vous invite dans son appartement. Moi j'ai commandé le RC Manchito, comme ça les gars je ne meurs pas pour aller hospeder ton véhicule. Voilà, je ressors et là on voit l'écran, mon personnage qui clignote. Les gars, c'est normal. Bref les gars, c'est la fin de la vidéo les gars. Voilà, là vous êtes bugué. Voilà, vous pouvez avoir des véhicules. N'hésitez pas à venir sur mes lives les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner les gars. Et à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir les gars. Et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo les gars. Au revoir.